Merci madame. Oh non mais attends, il y avait une grosse carpe monstrueuse et j'ai fait une perche quoi, what the fuck. C'est éclaté mon gars, vas-y trop fort. Merci mon chef. Attends, ouais, attends, ça va finir sur... Attends, la première prise. Bah, premier lancer et puis première reprise quoi. Hein ouais, attends. Tiens, attends, dédicace sur YouTube, chef. Eh, hey, chef. Ulysse. Ah bah ouais, attends. Non, tu reviens là. Elle est vraiment jolie, hein, je rigole pas, celle-là elle fait 35. Attends, doucement. Non, celle-là elle fait clairement les 35, il n'y a pas photo. Doucement. Next, deuxième passage, hop. Non mais, attends. attends, deux secondes. Ah, putain. Ça change de rabot d'ange, je vous le dis tout de suite. Bon, alors... Je vais me mettre devant, il y a le soleil. Oh, fais chier. Mais... Voilà. Bon, c'est pas un gros steak. Bien vu. Si ça t'embête pas, tiens. Ouais, je veux bien. T'y mettre en rouleur D4 même. 35. Allez. Ah, t'es quand même mignonne, hein. Allez, hop, allez. Au revoir. Petite ou grosse truite? Non, moyenne. De 25, quoi. 35. Ah, 35. Ah ouais, derrière, ouais, je l'ai vu. J'ai vu. Bavette. Oh la bavette. Non, tu l'as pété. Non. Pété. Bon, on est passé du mode street fishing clairement à autre chose là. Quoi? Perche? Perche? Oui? Ah non. Broc, c'est ça? Broc là? Non. Oh purée. Le loupe pas, s'il te plaît. Là-bas? Oh le bâtard. J'aurais mettre un leurre plus gros. Tu m'imagines bien avec un broc de 60 au bout de la canne et ma glace dans la bouche. Oh Léo, poisson. Si. Bon allez, on décolle. Putain l'enculé de merde. J'arrive. Là, touche inconnue là, clairement. Je l'ai pas vraiment ferré. Je sais pas. Touche inconnue. Tweet, tu l'as. Oh. Bien joué. Voilà. Décroché. Décro dans l'épuisette. Maman seigneur. Bah récupère ça. Hein. Ouais. C'est joué. T'inquiète, moi je suis même pas sûr que ce soit pas la même. Fous-la dans l'eau. Fous-la dans l'eau. Bah attends deux secondes. Oh la robe. Je suis débile. Fous-la dans l'eau. Attends, bah après je fous-la dans l'eau. Fous-la dans l'eau. Fous-la dans l'eau. Ok, vas-y. Ouais. Mon dieu. J'ai repris ma sec. Oh. Épuisette. Tout de suite. Oh putain. Ça va être dur. Non. 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 La tape, elle était sale. Oh putain.
Puis je le vois pas, hein, je te le dis tout de suite, hein, je sais pas ce que c'est. Il a pigé. Hein. Il a pigé quoi ? Le fiche a pigé que c'était d'un subterfuge. Oh non, mais non, mais c'est une blague ou quoi ? Non. Poisson ! Fiche ! Ouais. Perche, décro. Même, je vais filmer, de toute façon, je m'en fous. Perche. Ouais. Là-bas en face. Je suis même pour. C'est un truc de fou ici. Mais pourquoi personne n'y pêche, quoi ? C'est dingue. Si, il y a du monde qui y pêche. Putain. Bon, hé hey. C'est un délire, quoi. Je peux te dire que c'est pas actuel, hein. Parce que s'il y a du monde qui pêche, là, les poissons, ils en ont pas vu depuis un bout de temps. Puis merde, quoi, je sais pas, la perche, elle était bien piquée, hein. Ah, mais ils sont capricieux, elle. Une vieille branche. Merdoum! Pour aller jusqu'au lac. Au lac? Ouais. Un lac. Il y a un lac à côté, mais il est pas ouvert à la pêche. Ah. Par contre, je sais pas du tout ce qu'il y a dedans. C'est une ancienne carrière. Broc. C'est vrai? Ouais. C'est sûr. C'est sûr, parce que de toute façon, les carpes. En tout cas, c'est un lac à carpes. Mais comment je vais me faire plaisir là-bas? Poisson. Encore? Non, des crocs. Arrête de piquer mes poissons, bordel. Bah ouais, mais. Je l'ai ferré, elle s'est décrochée presque instantanément. Je suis trop con. Pourquoi? Je suis pas ici alors que je suis allergique au pollen. Ah! Ah, ça, moi, ça par contre, c'est moins cool. Il va falloir qu'on reste pas trop longtemps. Parce que du pollen, je peux te dire qu'il y en a ici. Laisse les sangs. Oh, voilà, doucement. Racine. Oh, purée. Purée de pommes de terre. Purée de patates douces. Ah bah merde. Non, ça va le faire. Un chat en fume. 4 euros. Pas bon. C'est pas donné, mais ça va. On a acheté deux. Mais pas assez pour nous. Ouais. C'est l'inconvénient. Les cuillères. Ah bah. Je l'ai perdu la mienne plombée. Et 3,50€ à D4. Pff, commence à me gaver là. Essaye-la. Alors bien sûr, évidemment, c'est au moment où la caméra bug qu'on fait un poisson, quoi. Vas-y, remets-la à l'eau, parce que de toute façon c'est une rikiki lisette là. Vas-y, hop, voilà. Très bien. Allez. Comment vous dire qu'elle revient devant celle-là? Putain. Si j'avais su, j'aurais pas arrêté de filmer. Vas-y, release, pareil. Voilà. Oh là là. Laisse-moi au moins en faire une, quoi. Tout décroché. J'ai fait en plein milieu et sur la bord. Enfin, de lancer des poissons. Mais. Ouais, c'est excellent, ça. Je te jure. Dedans. Ce que je voudrais, c'est surtout le brochet que j'ai loupé tout à l'heure, quoi. Il est là-dessous, là. C'est compliqué. Poisson. Bon, hé, hey, tu viens. Voilà. Comment on enchaîne? Je m'en fous, hé. Ouais. Bah ouais, mais. Regarde, regarde l'état de mon one-up, quoi. On lui relâche et remonte juste après. Voilà. Zizi, perche, allez. Toi, tu vois, je te respecte. Hop, je te remets ailleurs. Hop, parce que là. Le broc, il va faire état de zizi, perche. Je vais le mettre à l'envers. Je vais essayer. Attends, un one-up ça coûte quand même 2 ou 2,50€. C'est pas rien quoi. Ouais, voilà. L'unité, hein, je veux dire. C'est un one-up. Le sachet il coûte combien? 15€ combien? C'est soit 14,70€ les 2 pouces, soit 15,30€. Et il y en a combien? 8 dedans? 15€ divisé par 8, ça fait combien? 15,30€ divisé par 8. Dégage. C'est le maximum, le 15,30€. Après, ça dépend si c'est en promo, mais voilà quoi.
J'ai déjà connu les one-up à 11 euros, moi, une fois. Ouais. Ça date, c'est clair. Ça date un peu. Il y a tellement de poissons dans cette, dans cette vidéo, à mon avis, ils vont pas t'en tenir rigueur. Hein. Parce que là. Moi, tu sais ce qui m'embête en fait? Surtout, c'est surtout que t'as cassé ton caméra. D'ailleurs, faut que tu me rendes mon UL Mino là. Je sais pas trop quoi là. Je sais même pas comment il s'appelle. UL Mino, je crois, tu m'avais dit tout à l'heure. Parce que le UL Shad, c'est pas pareil, c'est celui qui plonge, tu te souviens ou pas? Tu l'as déjà eu? Le UL Shad de chez Rapala. Tu te souviens pas? Non. Moi, je m'en souviens, tu l'adorais. C'était un espèce de Lambil Mino. Je sais pas si tu te souviens, t'as les Crank et t'as les UL, les Lambil Mino, ça te rappelle rien? Le Barn 40, c'est ça? C'est ça, bah c'est à peu près pareil, le UL Shad. Perplexe les gens? La hauteur. Attends. Là c'est sûr que je vais pas descendre par là, vous êtes d'accord? Là il y a une racine. Là il y a au moins soit 1m50 soit 2m de haut. Route, ça ira plus vite. Exactement. Accroche-toi à tes ceintures. À ta ceinture. Non, tu vas pas sauter. Il y a pas... Tu vas sauter là. Mais non, tu vas t'écraser. Avec... Mais non, mais non, je peux pas. Je peux pas. Mais non, mais tu vas pas faire ça. Descends tranquillement. Mais y a pas de fond. Y a personne. C'est... Mais c'est dangereux, y a pas de fond. T'inquiète pas. Descends tranquillement. Là, je te dis, je veux pas trop pêcher, c'est bien. Non, tu pourras pas. J'ai pas les leurres adaptées. Accroche-toi. Mais non, mais fais pas tu ça. Filmes ? Ouais, mais fais pas ça. Mais quel malade. T'as touché le fond, hein. Mon Dieu, le remous. Je confirme, il y a pas de fond. Il y a un brochet. Fais gaffe, il y a des écrevisses au fond. Allez, oh. Ouais. Fais gaffe, il y a des écrevisses. Tiens, on va chercher le dîner pour ce soir. Bon, mouline, s'il te plaît, je peux pas. Je sais pas où elle est, ta canne. Vas-y, mouline. Bon, hé, j'en avais tellement marre, je l'ai laissé bouffer, hein. Je peux te dire là. Oh là 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 là. Sandec. 22h et. Perchette, hein, c'est clair, c'est pas du lourd. Voilà. Voilà. Easy Shiner bleu, celui-là, j'en avais marre. Voilà. Et une petite perchette qui pue. Voilà. C'est quoi ce vélo là? Hé! C'est complètement timbré. En plus qu'il met un petit combat sympa là. On peut plus rire. Non mais d'accord, mais. Ah ouais d'accord. Et attends, eh. On voit même plus l'air. C'est dingue. Non, attends, et attends, l'avale pas parce que ça va être la merde. Tu sais, j'en vois deux rentrer sous le pont là. Attends, eh. Voilà, hop. Punkette. Hop, au revoir. S'il y en a d'autres, alors là, ils vont pas se gêner. C'est... Ah bah, il y a une anguille. Ah bah, tiens. Il y a une anguille là-bas. Attends deux secondes. N'importe nawak. Ça aurait été tellement bien. Une anguille à vue au Easy Shiner en 3 pouces. Bon, ouais, c'est de la pluie, ça.